Coach, quelles sont vos impressions par rapport à cette victoire tant attendue qui vous soulage certainement par rapport au parcours de l'USMA en cette Ligue des Champions? Je pense le premier mi-temps, démonstration de mon équipe, très bien joué, offensivement. Le peuple, les supporters ont demandé de football offensif. Si tu vois et tu regardes combien de buts qu'on a marqués pendant les Champions League ou aussi dans les derniers matchs de championnat, je peux dire qu'il y a une amélioration dans l'équipe. Ils ont prouvé. Pour moi, ils ont fait un très 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 grand match le premier 45 minutes. Dommage, un petit peu mi-temps, deuxième mi-temps, c'est un petit peu la mentalité. On lâche la concentration, on est un petit peu nonchalance. C'est peut-être que l'équipe de Caps s'est un petit peu rentrée dans le jeu. C'est pour ça qu'on était aussi obligé de changer pour équilibrer l'équipe. Mais tous mes félicitations aux joueurs. Pour moi, ils ont fait un très grand match aussi, tous les matchs ici contre les Amalais, contre le Tripoli. Toutes mes félicitations et je pense que le public peut être fier du niveau de ces joueurs. Bon, salam alaikum. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'ensemble des joueurs et le staff, ainsi que la direction de l'équipe, aussi les supporters, il ne faut pas les oublier, pour cette qualification qui est amplement méritée. Le match a été difficile, mais alhamdoulilah, on a su gérer, on a gagné avec l'art et la manière. Et par rapport à la question Tarek, je pense aujourd'hui, on a besoin beaucoup plus de se reposer, surtout mentalement après une longue année. Inch'Allah, on aura le temps de rentrer en la reprise, Inch'Allah, on aura le stage pour bien préparer le match. On a une chance, parce qu'on a joué contre une équipe de Mozambique, vu qu'on a fait le match retour. Mais il ne faut pas les estimer, on ne les connaît pas encore. On aura peut-être l'occasion de les voir par la vidéo. Mais Inch'Allah, les joueurs ils sont prêts à faire la compétition à Lyon. On veut aller très loin, Inch'Allah. Bon, Owen, le Moubarak, c'était à Lyon, quand tu sais là, il faut oublier que le Fédéral Etihad, la Asima, quand il a zoomé le Fouz, je suis à Hel, le Marquis de Owen. Où le Hadef Lyon, je suis à Hel, 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 donc, alhamdoulilah, à la chi. Ou المقابلات الجاية إن شاء الله راح نعملوا كل ما في وسعنا إن شاء الله باش نفرحوا جمهور الاتحاد اللي طالب هاد كأس العرب الطائفي إن شاء الله. يعني فريق الاتحاد الجزائري في ربع النهائي راح يقابل نادي فيرو بيابو زبير بعد ما حدد في تلك المجموعة إخسار يعني تمثيل الكرة السودانية. هل تشوف انه بالنظر لمستوى هذا الفريق المنافس انه هناك محطه يعني قادر فريق الاتحاد الجزائري يوصل للنصف النهائي بالامكانيات اللي شفناها في الاخر؟ والله يا اخي الفريق تاع موزمبيق ما نقدرش نتحدث لك عليه خاطر ما نعرفوش مازال منافس مجهول لينا. حنا كنا مركزين على نفوسنا الحمد لله قمنا بالمهام وان شاء الله يكون عندنا الوقت نشوف الفريق الموزمبيقي هذا. قلت لك عندنا الافضليه لان حنلعبوا مباراه العوده في الجزائر لكن المنافس ما نعرفوش ما لازمش نستصغر من المنافس ان شاء الله حنقوموا كاع باش عندنا باش نفوز ان شاء الله. بون اولا على النيفو تاع لي زيكيب جو بونس بلي النيفو الي ايلفي شفنا بلي في الجروب تاعنا كاين الزمالك اهلي تريبولي ومام كابس يونايتد سي دي زيكيب دان تري بون نيفو الحمد لله اتحاد العاصمه قدر يبين وجه مليح في هاد المجموعه وامكانيات تاع اتحاد العاصمه كسوا اللاعبين كسوا الطاقم كسوا الاداره كاع لي موايا ليكيب تاعو ان شاء الله اون باتو فير باش نروحو لو بلو بوسيبل. لوبجيكتيف ماتنو سي ان شاء الله الكارد فينال اولا نلعبو مع فريق موزمبيق ان شاء الله نتاهلو ومن بعد ان شاء الله نخمو المربع الذهبي ان شاء الله. يعطيكم الصحة، شكرا بوكو.